Tianeski, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Enfin, rentré de mon petit séjour. Donc aujourd'hui, on va transporter donc les 17 tonnes 637 de céréales de blé à la grange. Donc c'est parti. Donc il faudra donc qu'on utilise ce tracteur avec donc une benne donc pour transporter c'est tout ça. Donc la benne elle est là. On va tout de suite donc monter dans ce tracteur. On va faire donc je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça, pardon. Ça c'est la lampe. Hop, voilà, on va masquer ça. Donc allez, donc c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'en profite encore une fois pour vous dire n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si ça vous plaît. Et surtout, je suis encore en attente ici pour l'instant. Mais dès que j'ai des nouvelles, je vous fournirai tout cela en tout cas. Mais il y a peut-être un jeu qui va arriver prochainement. Donc voilà, je vous spoil pas, on verra prochainement donc sur la chaîne ensemble. J'ai vu que vous avez pas trop kiffé mon ancienne vidéo, enfin mon ancienne, ma vidéo de vendredi, pardon, donc de Call of Duty AW, Advanced Warfare, pour ceux qui connaissent pas l'abréviation. C'était des bons vieux temps, les amis. Donc voilà, c'était pour vous montrer tout simplement le potentiel quand même que j'avais entre les mains. Même si certains m'ont dit que la luminosité était dégueulasse et tout, bon après voilà, c'est vrai que la qualité du gameplay n'est pas excellente. Donc transporte de céréales à la grange. Donc on va aller voir ça. La grange, elle est juste là à ma droite, comme vous pouvez voir. Donc il faut transporter ce putain de blé, mais il faut récolter ce putain de blé alors. Alors ici, c'était quoi encore? C'était de la paille, d'accord. Donc c'était pas là. Donc attendez que je me souvienne un petit peu. Donc ça c'est la grange, on avait fait ce champ. Donc c'était quoi? Deux secs en irrigation. Ça va être du blé en fait. Ok, d'accord. Faut pas chercher à comprendre. C'est Neski, les amis. Donc je pense que c'est là. Ou là. Ouais, voilà. Donc on va faire pousser ce champ. Non, celui-là, c'est quoi? Alors, donc le blé. Donc je cherche après le champ. Là où on avait été ensemble, c'était celui-là alors. Ah, le voilà là. Non, non, c'était pas celui-là. Ah, peut-être celui-là là, le champ. Hein. C'est quoi qu'il y avait dedans? Labourer. Culture. Ok. Fertilisation 0%. Attendez, je comprends pas là, les amis. On va passer ici. On va aller voir là-bas. Donc, je pense que c'était dans le champ qu'on avait fait ensemble. Je me souviens plus en fait. Mais je pense que c'était ça. Donc, on va aller voir ici. Par contre, le jeu n'est toujours pas à 100%.
aller voir. Donc c'était de ce côté ici si je m'abuse. Ah non, c'est en dessous. Oh putain, c'est en dessous. À gauche. Voilà, à gauche. Vous vous souvenez, ça c'est le chant qu'on avait fait ensemble. Ah ouais. Voilà, donc ça avait donné ça. Donc on va accélérer le temps en 600 ici. Voilà, c'est pas mal. On va aller chercher la moissonneuse, hein, parce qu'il faudra moissonner, bien entendu. Alors, que je voyais où aller. Donc ici on va descendre tout dans le fond et comme c'est ici, pas moyen de mettre un GPS. Donc tout droit, droit. Donc on va essayer de passer la nuit directement les amis. Voilà. Ah voilà, la lumière orange. Heures au matin, donc la nuit aura passé super vite, c'est bueno. Je suis con quoi, donc là c'est à gauche. Je m'y perds dans ce pur putain de pure farming. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse, si on continue ou pas cette série. Même si elle est pas très très appréciée, le jeu n'est pas très apprécié de la communauté, hein, bien entendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Soit on retourne sur du Farming Simulator, ou soit on intervalise les deux. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça va aller ici. Ah, il pleut. C'est la première fois qu'il pleut, tiens, non, bien. Le temps est très mauvais. Là-bas, il y a beau ciel bleu. Avec de la neige sur les hauteurs, si on voit bien. C'est pas mal, ça. Bon, on va attendre un petit peu le temps que tout soit poussé, bien entendu. Ah, il a arrêté de pleuvoir, c'est bueno. Une autre tâche t'attend. Ouais, ça je sais. Ah, ça y est, donc effectivement c'est moi qui devais faire passer le temps les amis. Donc là, on est en x600, comme vous pouvez voir en haut à gauche. Donc, pour mettre en route, activer ces R. Voilà. Et actionner ces F ici. Voilà. Allez, donc c'est parti. Pour descendre, c'est quoi du coup? Descendre l'appareil X. Le coq, il est en route. Voilà, comme ça on a le temps de faire ce champ et de ramener les quelques tonnes au truc.
Voilà. Je sais bien que ça a l'air un peu plus ennuyant que farming, apparemment. Après, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, les amis. Voilà. C'est parti mon kiki. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire pour un champ. Voilà. Allez, c'est parti! Quelques lignes! Je pense plutôt quand même que. Je ne sais pas si on fera tout sur un seul épisode. Parce que ça va sembler long. Ou alors faudra que j'essaie de m'arranger. Donc pour avoir une plus grosse moissonneuse. Voilà. Attends. Donc moissonneuse. Ah non, sinon j'aurais pris une autre. Mais on peut pas en fait. Comme c'est ma première ferme, on peut pas. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Bonne soirée. Ok, d'accord. Donc je peux mettre un ouvrier si je le souhaite. Et donc pour embaucher un ouvrier, c'est quoi ici? Alors apparemment on peut donc embaucher un ouvrier. En plus, non, c'est pas ça. Voilà, c'est, je crois que c'est U. Non? Non, c'est pas ça. Attends. Embaucher dans les agricoles. Attention, les employés ne peuvent embaucher que pour des tâches agricoles qui ne concernent pas tes quêtes. Ouais, donc ça c'est une quête, donc là-dessus on pourra pas, les amis, pour les ouvriers, donc on va pas se casser la tête, bien entendu, hein. Voilà. Je me doutais que sur les quêtes c'était un peu trop facile aussi, non? Normalement ça devrait être bueno, de toute façon on a combien? Allez, je crois qu'on a 10 tonnes, je crois qu'on met 2 moisses battes. 2 moisses battes et c'est bon, elle est faite. Deux moisses battes et elle est faite, les amis. Voilà. C'est la petite miniature des familles avec la moisse. Donc là j'ai 5-6 tonnes à peu près.
Voilà. Alors, moi tu. Voilà. Les bruits sont vraiment bien faits, moi j'aime bien en tout cas. Allez, c'est parti! C'est parti! Donc là j'ai mis à peu près 5 tonnes, on va dire, ouais, 5 tonnes. Il faut 17 tonnes. Donc il me faut encore 12 tonnes pour dire d'être tranquille pour ce truc, à mon avis. Donc il faudra le champ complet, les amis. Voilà. Voilà. Hop. Je tiens à préciser aussi que je souhaite donc d'agréables examens à tous ceux qui sont en période d'examen. Donc courage à vous. C'est bientôt les vacances, les amis. Il reste un mois exactement. Et vous êtes tranquille. Un mois et c'est la va grande vacances. C'est cool, non? Allez. Donc là, j'aurai. Donc encore à peu près. Là, j'aurai 3 tonnes, je pense. Ouais, 3 tonnes facile. Pile poil, 3 tonnes. J'avais raison, frère. Go 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 go. Ah, ouh, j'ai dérapé les potes. J'ai dérapé. Moi j'aime bien, c'est l'espèce de fumée là qu'il y a derrière, c'est assez stylé je trouve. Allez hop. Donc on va remettre une fois 5 tonnes. Donc on va faire l'aller-retour ici. Voilà. Attention que je répète que si les tâches deviennent trop longues, on les fera sur deux vidéos, les amis. Parce que vous voyez bien la taille du matériel par rapport au champ. Ça va, ce champ-ci, il est encore petit. Mais si on a des gros champs, voilà quoi. Là, j'ai vu des labus. Voilà.
Voilà, donc là on fait une vidange. Là, c'est cool. Voilà, c'est reparti les amis. Donc il nous manquera 7 tonnes et je crois que c'est à peu près le reste du champ. Voilà. Ici c'est ouais une tonne là, pas grand chose hein. Hop, on va voir ici un petit peu. Donc on va essayer de couper un rap pour ramasser un maximum en fait. Voilà. Hop. Ici. 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 Non, il chie pas en fait. C'est la moisse qui chie les gars. Donc 2 tonnes, donc j'avais dit combien qu'il nous manquerait, on avait dit à peu près 10 tonnes qu'on était. Donc là il nous manque 5 tonnes, ouais ce sera à peu près, ouais ce sera à peu près ça les amis. Je sais pas c'est combien de capacité exacte, je crois que ça va pas être une grosse hein. Je suis pas encore à la moitié, je suis à 3 tonnes, ouais ça doit être une 8 tonnes à peu près par là. Voilà, du coup, je pense qu'on y sera quand même. Mais je sais pas si on aura les 7 tonnes. Ça me semble court, hein. Mais je pense que ça pourrait le faire. L'intérieur est cool étant donné que c'est une petite mosse, la barre ça va, elle est cool. Merde. Voilà. Ouais. On est quand même à 5 tonnes. Ouais. Ouais, on a. Ouais. Je pense qu'on aura quand même les 17 tonnes en fait. Mais ça sera vraiment juste, juste, hein. Attendez. Ah non, on a 6 tonnes.
Voilà, donc on va prendre tout ici. Ouais, ça va être limite, limite. Ouais, c'est bon, on y sera les potes. On y sera, on a tout ce qu'il nous faut. Hop, on sort de cette putain de vue. On vidange. Ah, il va pas finir de vider, tu vas me dire. Exactement ça. Oh, la remorque est pleine. Hop. Je crois que ce sera pile poil une remorque. Donc on va aller voir ça vite fait. Quand même qu'il est un petit peu dur ce petit tracteur Zetor. Hop, tranquillement. Les rétros, on voit vraiment bien que c'est... Pourtant je joue en qualité ultra. Et les rétros, c'est des... Il pue la merde là les gars. Je sais pas vous mais moi personnellement je trouve qu'il pue un peu la merde. On va aller par ici, on va pas se prendre le chou. Je crois que c'est H pour vider. Voilà. Donc on vide le tout. Et attention... Bing! Niveau atteint 1. Niveau 1 atteint. Voilà. De nouvelles machines sont disponibles à la boutique. Donc, c'est bueno. Voilà. Donc, je pense... achète une serre. Donc, on verra tout ça. Ah, tranquille, il pleut. Donc, ça va pouvoir laver le matériel. Donc, ça va être cool. Moi je pense que c'est donc sur ces images qu'on va se laisser, c'est même pas je pense, c'est sûr. Et moi je vous dis donc à la prochaine, n'oubliez pas de me commenter si vous êtes chaud pour continuer la série pure farming ou si vous voulez rester que sur du farming 17 en attendant le 19. Voilà voilà, merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, un petit partage pour le soutien, moi je vous dis ciao, bye bye et bonne semaine à tous les potes. Je dis pouce, vous dites bleu, pouce bleu.